On est où? Mais il y a encore un truc comme au froid. Ah non, mais je suis déjà venu ici, moi. Mais oui. On y va comment? On y va en planeur ou on se téléporte? Ça fait haut, hein. Je suppose que d'ici, il n'y a pas très loin. Allez. On vient de nous apprendre à nous téléporter. Hein. Ah d'accord. Je me rappelle plus comment ce qu'on avait fait pour celui-ci. Ce temple, là. Flèche. On était là il n'y a pas longtemps. Bon, d'avoir la téléportation va pas nous empêcher de fouiller un peu. Ah oui, il faut que je refasse tout. Allez, vas-y. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Je veux un cœur de plus.
J'ai pas le choix. J'ai un doute, c'était 4 aussi dans Breath of the Wild, c'était 3. Réceptacle de cœur. Ce très précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'énergie vitale que vous ont fait perdre les miasmes. Votre nombre de cœurs augmente de 1. Va et ramène la paix dans ce monde. Donc là maintenant je vais là et je vais avoir assez d'énergie. Oui, il va me dire, il y a un cinquième sanctuaire. Non. Ben non, il en faudrait plus que ça, il faudra encore 4 sanctuaires. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance. Et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Zelda avait raison à ton sujet. Je te la confie. C'est le temple du temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de voyage dans le temps? À la recherche de Zelda. Grâce à votre offrande de lueur bienfaisante, à la statue de la déesse, vous avez expulsé une partie des miasmes qui vous affaiblissaient, ce qui vous a permis d'ouvrir la porte. Avant de disparaître, Roru a dit qu'il vous confiait Zelda. Le sens de ces paroles vous apparaîtra peut-être si vous vous rendez au dernier hôtel du temple, qui est devant. Eh bien, allons-y. Ouais. Ils auraient pu mettre quelque chose là. Bonsoir Nat, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end?
le dragon. Les nuages. Link. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. Bah, t'es où? Très bon week-end malgré le mauvais temps. Toi, t'en as profité? Oui, et du beau temps. Là, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Vous n'avez pas trouvé la princesse Zelda sur l'île flottante dans le ciel, sur laquelle vous vous êtes réveillé. Mais lorsque vous avez touché la lumière au fond du temple, les mots « Retrouvez-moi » se sont mis à résonner dans votre tête, et vous avez brièvement ressenti la présence de la princesse. Où peut-elle bien se trouver? Qu'a-t-elle voulu dire? Retour en Hyrule. Dans le temple de Tan, l'épée de légende a disparu dans une lumière mystérieuse, et vous avez vu un dragon blanc s'élever dans les airs en fendant les nuages, alors que la voix de la princesse Zelda vous demandait de la retrouver. Prenez votre courage à deux mains et plongez dans le vide pour rejoindre le sol et vous mettre en quête d'indices afin de localiser la princesse. Prenez votre courage à deux mains. Je vais sauvegarder quand même. Même s'il y a dû y avoir une sauvegarde automatique, j'imagine. Faut que j'aille dans le lac, là. Et donc, on a quitté le ciel. Le royaume d'Hyrule. Grenouille Tempo. La chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Bon, il va falloir commencer à avoir de la nourriture. Cette viande fraîche prise sur une volaille est plus maigre que de la viande de venaison. Et bien meilleure cuite. Oui, bon, on la fera cuire. J'avais cru voir un poisson flotter là, mais j'ai pas. Prenons un peu de hauteur. Ah, il faut que j'aille là-bas sur la tour. J'ai vu un... c'est cette tour-là ou cette tour-là qu'il faut... Non, c'est celle-ci. Je sais pas. Je vais la noter aussi. Elle me paraît plus loin, celle-là. Oh. Ah, il y a encore une tour. Et un sanctuaire, là-bas. Je vais pas pouvoir tout noter, hein. Je vois trop de choses d'ici.
J'ai vu encore une tour, mais bon. Ouais. Ah bah de toute façon, j'ai plus de tampons. Enfin, j'ai plus de marquage. Et je suis absolument pas dans la bonne direction. Donc c'est celui-ci. Ou celui-ci. C'est par là. Ah, ça doit être là. Bouge pas. Venez-en, cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais des préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent plus davantage de cœur. Il n'a pas fait très beau, mais j'ai pu aller à la fête foraine. Bah. Il n'y a que moi qui ai eu un beau temps. Des pommes. Chanceux. Attachez cette corne crantée à une arme pour en augmenter l'attaque. Ou faites-la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. D'ailleurs, je devrais pas garder cette arme-là. Ah, mais j'ai quasiment que ça. Moi, je vais prendre le bâton. Ce débarras contient des matériaux de construction. Servez-vous si vous avez besoin pour construire une maison de vos rêves. Demandez à gros alliés et associés. Ok. Ah zut! Il lui en fallait deux. De toute façon, il va dans la bonne direction. Ah là, il y a un camp. Je vais l'avoir. Oui, t'as eu de la chance. Prendre les petits pour l'instant. Là, il y a une maison, je vais aller voir. C'est quoi ça, cette fumée? Il y a des ruines, on va visiter un peu les ruines. Ah, un coffre. Oh, 20 rubis. J'ai bien fait de venir là. Pas à chaque fois. Il sauve. C'est des récolteurs de fruits. Ah, j'aurais dû la mettre sur mon arme pour voir.
vu que c'est une petite. Champi d'Hyrule, ce champignon typique des forêts d'Hyrule, pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Je vais chercher à manger, je reviens. Ok. Ah, je t'avais pas vu, toi. Rubis vert, 1. Rubis bleu, 5. Les libellules, elles sont parties. Il y en a une là. Ah zut, je l'avais. Libellule piment. Des ailes de cette libellule contiennent des agents facilitant la transpiration. Faites cuire avec des matériaux de monstre pour obtenir un remède permettant de résister au froid. Il y a une grotte là. Bon, c'est le début des ennuis. Parce que maintenant, on va voir 50 000 trucs partout. Ah, il y a le château, là. Il y a encore un sanctuaire, là-bas. C'est pas celui que j'avais noté, hein. Non. Ah bah non, je les ai tous notés dans l'autre sens. Ça va, super. J'en vois 3 d'ici. Je vais les effacer vu qu'elles sont pas dans le bon sens. Je vais garder que la rouge là. J'en ai vu un autre là-bas. Ah ah ah, est-ce que je vais pouvoir le noter derrière? Ah oui, bah ça c'est celle-ci qu'il me faut. Il y a des méchants là. Encore un ramasseur de fruits. Ah mais... Une épée de soldat. Lui, c'est marqué qu'il va bientôt s'éclater. Alors, par contre, si je fais ça... Il est où, le ramasseur de fruits? Et du coup, elle est restaurée. Ça, c'est bien, ça. Je voulais aller voir la maison aussi, là-bas. Je ne l'ai pas fait. Là, il y a un puits. C'est quoi, ça? Ah oui, des tonneaux. Là, il y a un chariot.
Bon, je suis live sur mon téléphone, ok. Oh, il avait un lézard. Allez, bah monte. Alors là, il y a des feuilles. Coffre ou gros-goût? Gros-goût. J'ai bien fait de venir là. Alors, ah oui, il y a la grotte que je voulais faire aussi. On va aller voir ce qu'il y a dans la grotte.